On voit qu'il y a des attentes des voyageurs toujours nouvelles. Alors, il faut y répondre, mais c'est encore mieux si on arrive à les anticiper. On est très content parce qu'on teste un nouveau format d'animation autour de l'Open Data SNCF. On attend à ce que, en mêlant des profils très divers, de définir des usages et des attentes. Le format DataCamp, juste une après-midi comme ça à brainstormer, c'était nouveau pour nous. Il y a des gens sympas, des techniciens, des gens qui ont des idées, donc c'est cool. Nous, ce qui nous intéresse dans ces types d'événements, c'est d'avoir le retour des usagers qui nous disent les données qu'ils voudraient voir ouvrir et de voir les données les plus utilisées, donc celles où il faut qu'on aille encore plus loin et qu'on fasse de bonnes mises à jour. On a effectivement une volonté de la SNCF de faire en sorte que les données soient réutilisées le plus possible et qu'elles soient aussi profitables à l'évolution de la société. Je trouve que ce que les équipes ont bien réussi à faire, c'est de se positionner dans les baskets des utilisateurs. Ça a permis de faire émerger vraiment des pistes de services plutôt intéressantes. Ce prototypage qui avait été effectué, d'avoir un espace d'une après-midi en fait en amont d'un hackathon, permet de se consacrer à la réalisation et à la réflexion et ensuite de passer à l'implémentation.